Atomic Radio. Artistes, stars, événements et actus. Ils sont tous en interview sur Atomic Radio. Sur Atomic Radio. Avec Christian Moniz. C'est moi. Direct. Avec la team Copain Pilote. Il débarque à l'antenne d'Atomic Radio. Space Mix. Oh. Direct live. Yo DJ. Les 24 heures motonautiques de Rouen. Dans le space, c'est de la balle. Avec Christian Monnier. www.atomic-radio.fr. Onglet chat webcam. Écoute ça. On ne lui présente plus la team copain pilote. Alors ce soir, en plus, il y en a un qui est déchaîné juste à côté, là, qui montre ses textos qu'il est en train de recevoir. Ah, je remercie celui qui les envoie, hein, d'ailleurs. La team copain pilote actif et formidable partenaire d'Atomic Radio. Le sport motonautique n'a plus aucun secret pour eux. Nous avons été à leur côté en 2015, en 2016 et aussi en 2017 lors des 24 heures motonautiques qui ont eu lieu là, incessamment sous peu. Ils ont terminé 4e de leur catégorie. Ça a été une pure tuerie. L'année d'avant, 2e de leur catégorie. Cette année, je suis sûr qu'ils auraient fini premier. Mais voilà, tout ça, on en reparlera dans quelques minutes. Et ce soir, à l'antenne d'Atomic Radio, nous avons donc Franz qui est juste avec nous. Franz, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous rejoindre ce soir à l'antenne d'Atomic Radio, Franz. De rien. Alors, Franz, toi, t'es un grand habitué. Oh là là. Tu vois, je prononce mal. T'es un grand habitué de l'antenne d'Atomic Radio. Oui, exactement. Ah, c'est un truc de malade. Et on a aussi Alex. Alex qui est avec nous par téléphone. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Un grand merci toi aussi de nous rejoindre ce soir à l'antenne d'Atomic Radio. Alors toi Alex, d'où nous appelles-tu exactement? Parce que là voilà, on t'appelle mais je sais pas où tu es exactement. Je suis sur ma terrasse face à la mer à Marseille. À Marseille, et il fait beau parce que alors là chez nous, on a 25 degrés exactement, c'est un truc de malade. Il fait super chaud. Est-ce qu'il fait aussi chaud chez toi que chez nous ou est-ce que c'est pire? Oh oui. Oh oui, pire. Fait plus de 30 degrés moi ici. Plus de 30 degrés, ouais, bon bah voilà. France, France. Mais j'ai la mer moi, différent un peu à vous. Bah nous, il n'y a que quelques kilomètres, hein, tu les connais. Hein. Ouais, c'est vrai, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors toi, Alex, qui es-tu exactement dans la team copain pilote? Je suis un des quatre pilotes qui fait partie de la team. Il y a Ludovic Maurice, Frédéric Girard, Cyril Tréfouel et moi. D'accord, donc vous êtes quatre pilotes. C'est un truc de malade. Et encore bravo hein, l'année dernière. Et même pour cette année, même si vous avez fini quatrième, et ça on en reviendra plus tard, vous êtes défoncés les gars. Vous êtes défoncés. Ça a été un grand moment de plaisir justement d'être parmi vous, de pouvoir suivre cette course. Je suis persuadé que l'année prochaine, justement, ça cartonnera encore plus. Oh oui. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors, on va passer un petit peu du côté de France. Voilà, on va revenir un petit peu sur l'histoire de la team copain pilote, même si durant cette émission, c'est vrai qu'à chaque fois, on revient là-dessus justement. La team copain pilote, c'est parti d'un délire. Je crois que c'était il y a un peu plus de 5 ans, c'est ça, France? Oui, exactement. Alors après, Alex peut en parler beaucoup plus que moi puisqu'il est là depuis l'origine de la team. Du coup, mais oui, ça part d'un délire entre amis qui par la suite, ils ont fait. Oui, je sais, Alex, que tu m'écoutes. Il t'entend là. Non, c'est parce qu'en même temps, il m'envoie des textos, donc c'est pour ça. D'accord. Et du coup, oui, ça part d'un délire entre potes. Et en fait, ils faisaient la sécurité sur l'eau durant la course. Et du jour au lendemain, ils se sont dit, bah, pourquoi pas nous? Voilà. Simplement. Et c'est là qu'ils se sont lancés, que vous êtes lancés. Alors, au départ. Alors, toi, tu ne faisais pas encore partie de la team, non, toi, à cette époque-là, France. Pas du tout. Donc, toi, Alex, tu y étais déjà, c'est-à-dire que toi, tu étais l'équipe de surveillance, on va dire, tu faisais partie de l'équipe de surveillance, t'étais quoi exactement? Oui, voilà, c'est ça, en fait, on faisait l'équipe de remorqueurs qui était sur l'eau, les bateaux qui remorquaient les bateaux de course. Et ça faisait plusieurs années qu'on faisait ça, et un jour, on s'est dit, bah, pourquoi pas nous, quoi. Un jour, on a rêvé tous de monter dans un bateau de course, et avec Ludovic, et ben, on s'est dit, bah, et un jour, en rentrant des 24 heures, on s'est dit, bah, l'année prochaine, on se lance. Donc, on a mis pendant un an à monter notre projet et on a réussi à le monter. Alors, un projet. Et depuis, ça fait 5 ans que ça dure. Alors, un projet comme celui-là, c'est un truc de malade parce que là, par exemple, sur le. Alors, moi c'est réellement le premier rassemblement. C'est vrai que j'étais absent en 2015 et en 2016. Je suis venu en 2017. Je serai présent d'ailleurs en 2018 à vos côtés. Ouais, t'as intérêt. Hein. Bah ouais, je serai là. Et j'ai été vachement surpris dans le sens où, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais arriver. Il va y avoir, des pilotes qui vont tourner autour d'un bateau, un gars à la radio, point à la ligne. Mais non, en fait, il y a toute une organisation derrière. C'est un truc de malade.
malade. Il y a un nombre de personnes phénoménales pour un simple bateau. Enfin, quand je dis simple, attention, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il y a un boulot de malade. Vous êtes combien à travailler? Enfin là, on va prendre l'exemple de 2017. Vous avez été combien à bosser sur ce rassemblement? Combien de temps? Ça a duré que 3-4 jours. Mais combien vous étiez et qui sont ces personnes, justement? Et quel est leur rôle au sein de la team? On est une équipe de plus de 20 personnes pour une course comme Rouen. S'il y a une préparation longtemps en amont, c'est pratiquement 4 à 5 mois de préparation avant. Donc il faut préparer le bateau, il faut nous préparer nous physiquement aussi, parce que faut faire un peu de sport, parce que c'est quand même très sportif comme sport. Donc faut se préparer, les mécaniciens préparent énormément bien le bateau, donc ils s'y mettent longtemps en amont pour le préparer. C'est des démarches administratives énormes aussi, parce que c'est grâce aux sponsors qu'on arrive à courir aujourd'hui. On court pas comme ça, ça coûte très cher de faire ce sport. Donc on remercie toujours nos sponsors de nous aider et nous suivre chaque année. Donc c'est un travail énorme en amont avant une course. Alors durant la course, qui sont toutes ces personnes que l'on voit? Alors il y a des ravitailleurs, il y a un radioman, c'est ça qu'on dit, parce que toi, oui, c'est ça. On l'a pas précisé pour toi, France, mais toi tu es à la radio. Oui. On appelle comment ça, le gars qui fait la radio d'ailleurs? Tu l'as très bien dit, radioman. Radioman, oui. D'accord. Donc il y a ravitailleurs, il y a combien de ravitailleurs exactement? En ravitailleur, ils sont une équipe de 5 personnes. Ah ouais, quand même. Qui à peu près toujours la même. Et oui, parce que même si c'est un petit bateau, il y a énormément de travail à faire dessus pour un ravitaillement. Il y a des gens qui le tiennent, il y a des gens qui font le plein, il y a des gens qui attachent le pilote, qui détachent le pilote qui sort, qui rattachent le pilote qui rentre. C'est toute une organisation. On s'entraîne avant les courses, et qui fait que notre force aujourd'hui, c'est qu'on est bien rodé et on fait très bien nos ravitaillements. D'accord. Ce qui veut dire que le ravitaillement, parce que pour moi le ravitaillement, c'était voilà, le gars il arrive, hop, il fait le plein de carburant, c'est de l'octane 105 d'ailleurs, si je me rappelle bien, j'ai bien retenu la leçon. C'est ça. C'est quelque chose. C'est on appelle ça le 102. Ouais, mais 102. C'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Ouais, c'est bon, Franz, c'est bon. Ça, hein, ça. Bon, voilà. Bah, non, mais t'as bien retenu la leçon. À trois près. Ah oui. Non, on s'imagine donc que voilà, les ravitailleurs, c'est tout simplement on fait le plein, mais en fait ils font pas que le plein, ils s'occupent même d'attacher le pilote, de tout ça. Qu'est-ce qu'ils font exactement, les ravitailleurs? En intégralité, quel est leur boulot? Alors, en intégralité, le boulot du ravitailleur, c'est de à la fois faire le plein de l'essence du bateau et de faire le changement de pilote. C'est comme dans les courses qu'on peut voir aux 24 heures du Mans moto ou aux 24 heures du Mans voiture. C'est tout aussi essentiel que la course en elle-même. C'est-à-dire que plus vous êtes rapide, plus vous gagnez de temps sur les concurrents. Donc tout est un travail en fait de faire le plus rapidement possible un ravitaillement sur l'eau. Donc c'est à la fois celui qui va faire le plein dans le bateau et à la fois celui qui va rattacher le pilote, tout ça mélangé, ce qui fait que plus on est rapide, plus on gagne du temps. Et c'est ce qui fait notre force, nous, aujourd'hui, c'est qu'on est un des teams les plus rapides à faire les ravitaillements. Et les mieux organisés, c'est peut-être justement parce que vous avez bien travaillé justement là-dessus, vous avez travaillé comme des malades aussi, je pense. Et oui, c'est pareil, c'est des entraînements, c'est un travail à la fois en amont aussi, même entre nous, on s'entraîne à s'attacher, à se détacher au plus rapidement possible. Oui, c'est tout fait partie à la fois, il y a le pied, mais aussi l'équipe qui fait que le bateau réussit à faire des performances gigantesques qu'on peut faire en ce moment. Alors on se rend pas compte, par exemple le plein de carburant le bateau il est là, il est en train d'arriver, il s'arrête. En combien de temps par exemple on fait le plein de carburant d'un bateau comme le vôtre? C'est très rapide, hein, parce que c'est des grosses vannes, on va dire, ça doit être quoi, dans l'entour de 30-40 secondes. D'accord. Et 40 litres d'essence à peu près. 40-42 litres d'essence. D'accord. Mais il n'y a pas de petite blagounette du genre, tu sais, tu mets ta carte et puis tu sais, interrogation, tu vas aux cartes refusées. Non, ça c'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. Non, ça va. Non, on va partir. Non, on remet pas le bateau sur l'armoire pour l'emmener chez Total. Non. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Non, c'est la petite blagounette à part. Hein, j'aime bien. Non, mais on pourrait avoir des points, c'est vrai, avec le nombre de pleins qu'on fait, on pourrait avoir des points de fidélité. Ouais, c'est ça, t'imagines. Non, pour avoir les petits DVD. T'imagines le pilote en train de gueuler, tu sais, c'est une fenêtre, hein, que vous avez. La fenêtre grande ouverte avec la tête jusqu'il sort et le mec qui gueule parce qu'il veut c'est quoi avant de repartir, t'imagines le truc? Non, mais voilà. Non, mais par contre, on se fait engueuler par les radiomans avant parce qu'il faut pas traîner. Donc, on le sait en tant que pilote, que quand on arrive au ravitaillement, il faut pas traîner. C'est vrai. Il faut que l'autre pilote soit prêt avant d'entrer dans le bateau. Parce que si on traîne, on se fait engueuler par les ravitailleurs. Ce qui est normal parce que c'est leur rôle. Hein. Leur rôle, c'est que le pilote est le plus rapidement possible dans le bateau et que l'autre sorte le plus rapidement possible. Et le changement de pilote, justement, alors ça consiste en quoi? C'est-à-dire, le bateau, là, il vient de s'arrêter. Donc la trappe s'ouvre. Là, il y a une personne qui le détache, qui l'aide à sortir. C'est vrai, pour sortir. Comment ils font pour sortir du bateau? Parce que ça, par contre, j'ai pas vu. C'est horrible.
Mais oui, parce que non, mais, bah déjà c'est horrible parce que c'est très étroit, mais c'est surtout une fois que tu commences à sortir du bateau, qu'est-ce que tu fais? Tu mets les pieds sur les, comment on appelle ça là, les côtés là, c'est sur les... le patin. Voilà, sur le patin. Il met les pieds sur le patin et il est là, il se rattrape pour essayer de remonter, ou il y a quand même un c'est truc. Ça, qui... Oui, c'est ça. On s'attrape. L'autre pilote nous donne un coup de main à sortir. On s'attrape et lui saute dans le bateau pour se faire attacher. D'accord. Et ça, c'est pour ça qu'on se prend des bleus énormes sous les bras, parce que pour sortir, c'est la force de la compétition qui fait que on sent pas sa force, on sort très vite. Mais après, une fois qu'on est sorti, que la tension retombe, on sent bien les bleus sortir sous les bras. Ouais, évidemment. Et c'est ce que je disais d'ailleurs pendant une course. Je pense qu'à mon avis, pendant les deux heures, en fait, vous êtes dans la course, vous êtes à fond, vous donnez un maximum, vous n'avez pas l'impression d'être claqué. Mais c'est au moment, je pense, où le bruit s'est arrêté, où vous retournez sur la terre ferme, et au moment où il n'y a plus un bruit, enfin, entre guillemets, plus un bruit autour de vous, que là, vous devez sentir votre tête qui doit être, enfin, c'est une image, mais qui a triplé de volume quasiment, en fait, on va dire, pour ainsi dire. Oui, ouais, c'est pour ça que généralement les relais qu'on prend sont assez espacés, parce que on a deux heures de course, on met facilement quatre heures à s'en remettre après. Ah ouais, quand même. Parce qu'on est épuisé physiquement, mentalement, parce qu'on essaye d'être concentré le maximum dans la course. Pendant deux heures, on n'a que deux personnes qui nous parlent, c'est Franz et l'autre radioman qui l'accompagne. D'accord. C'est les deux seules personnes qu'on a pendant deux heures dans la radio, et qui, leur but à eux, le travail du radioman, est de pousser au maximum le pilote, de donner le plus d'infos possible. Donc les infos qu'on a pendant deux heures, ce n'est que sur le circuit, que sur l'eau, que ce qui se passe sur l'eau. Donc du coup, c'est vrai que quand on sort, on est un petit peu vaseux et on met un petit peu de temps à s'en remettre, c'est vrai. Alors en règle générale, le radioman, justement, quelles sont les consignes qu'il donne, enfin, pendant deux heures de parcours? Bon, je suppose, voilà, t'es premier, t'es deuxième, t'es ci, t'es ça, mais qu'est-ce qu'il donne d'autre aussi comme info, qui peuvent être vitales justement pour vous permettre, vous, de faire la course, par exemple, comme pour toi, Alex? Les infos les plus vitales qu'ils peuvent nous donner et qui sont les plus importantes, c'est donc déjà notre positionnement, parce que nous on connaît strictement rien dans le bateau. Les seuls trucs qu'on a, c'est notre vitesse, notre trim et le mouvement de l'eau qu'on peut voir nous dans le bateau. Mais le chrono maintenant. On est très bas dans le bateau, on ne voit rien. Donc c'est nos yeux en fait. Les radiomans sont vraiment nos yeux, parce que nous on ne voit strictement rien ce qui se passe sur l'eau, parce qu'on est tellement à ras de l'eau que la moindre petite vague qu'il peut y avoir qu'on n'avait pas vu le tour d'avant, et peut être fatale pour le pilote, quoi. Donc c'est vraiment nos yeux. En parlant vaguement, imaginez que vous êtes dans une voiture, vous fermez les yeux, vous faites confiance à la personne qui est à côté de vous. C'est exactement pareil pour le radioman. Ah d'accord, ouais, c'est une belle image justement. Ça permet justement de beaucoup mieux comprendre ça. Est-ce que ça, Franz, bon, toi qui es un des deux radioman, est-ce que ça vous arrive des fois, alors on va pas dire d'engueuler parce que vous êtes pas là non plus pour les déstabiliser, mais est-ce que ça vous arrive de gueuler, putain bordel, qu'est-ce que tu fous là et tout machin, ou je sais pas, enfin, non, parce que oui, je confirme. Ah, voilà, non, mais tu vois, Franz, c'est pas cool, la France essaye de se défendre. T'essayes de défendre, mais Alex derrière il veut balancer. Alex, non, balance. Plus, non, mais au contraire, nous on préfère, parce que c'est vrai que des moments, des fois, dans la vie de relais, on est un petit peu fatigué et on s'en rend pas compte, parce que nous, nos temps en tour, on les voit pas tout le temps sur le compteur, parce qu'on n'a pas les yeux rivés tout le temps sur notre compteur. Donc eux, ils les regardent à chaque fois qu'on passe devant eux. Et c'est vrai que des fois, s'ils aperçoivent que le temps en tour augmente un petit peu, et le tour d'après, ils nous disent bouge-toi le cul, parce que maintenant, t'as pris deux secondes, c'est pas normal. Donc on se fait un petit peu engueuler, c'est vrai. Donc ça nous remet un coup de boost et généralement on refait nos bons chronos après. Mais ça fait du bien justement de se faire remonter, enfin remonter entre guillemets. Oui, parce que nous on sent pas la fatigue arriver. C'est vrai que on est physiquement, on la sent pas arriver, mais au bout d'une heure et demie de relais, on commence à avoir de la fatigue, et c'est grâce à eux qu'ils nous remettent un petit coup de pouce sur la dernière demeure. Et on garde nos chronos comme ça, quoi. C'est ce qui a fait notre force à Rouen cette année, où on est resté 13 heures premier. Et ouais, et ça a été balèze. On va parler justement de ce qui s'est passé après. C'était le coup de malchance, ça. Alors, ravitailleur, radioman, il y en a deux, quatre pilotes. Et quelles sont les autres personnes, et qu'est-ce qu'à font ces autres personnes? Alors, tu as les mécaniciens qui sont un petit essentiel pour la team, puisque c'est grâce à eux que le bateau marche comme il marche aujourd'hui. Nous, on est que des pilotes. Enfin, moi, perso, à ma hauteur, moi, je suis vraiment que pilote, parce que niveau mécanique, je n'y connais strictement rien. Donc, je fais confiance les yeux fermés aux mécaniciens, mais c'est eux qui nous règlent le bateau, c'est eux qui nous disent comment il marche, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quelle chose il faut pas aller aux extrémités du moteur et tout ça. Après, il y a les gens de la base vie qui nous font vivre pendant les épreuves, qui nous préparent la nourriture, qui gardent en place la base vie propre et tout. Il y a tous ces gens-là. Il y a nos team managers aussi qui sont un petit peu les chefs d'orchestre de la team, qui dispatchent un petit peu de monde à droite à gauche pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire.
et nos radiomans, nos ravitailleurs, voilà, et les gens qui s'occupent aussi un petit peu des sponsors, de la com, qui sont là aussi pour les accueillir, pour un petit peu leur montrer comment on marche. Comme toi, tu as été accueilli d'ailleurs sur le... Bien sûr, non, je vois bien. Donc plus de 20 personnes, voilà, plus de 20 personnes. Et ce n'est pas trop, justement, parce que ça permet vraiment de mener à bien, toutes ces courses. Alors quand vous avez débuté, parce que je pense que là moi quand je suis venu, j'ai vu des choses sympas, je veux dire, vous avez une belle remorque pour pouvoir embarquer votre matos, vous avez vu plein de choses, mais quand vous avez commencé il y a 5 ans, je pense que ça n'était pas là, parce que vous avez même débuté avec un bateau en bois, enfin quand on dit en bois, attention, hein, c'était pas un radeau, je veux dire, ou quoi que ce soit, non, c'était un bateau comme vous pouvez le connaître, d'autres bateaux qui... c'était une péniche, tu peux le dire. Ouais, mais en attendant, il la était incroyable. Bertha. La Bertha, la grosse Bertha, voilà, c'est ça, j'ai cherché le nom dans tous les sens. Vous avez commencé comme ça, mais les premières années, justement, vous étiez combien et comment ça s'est passé et qu'est-ce qui vous a donné envie finalement d'aller plus loin et pourquoi il y a eu ce déclic de vouloir aller plus loin? On a toujours été à peu près le même nombre de personnes, à part là vraiment la première année on était un petit peu moins, mais c'est ce qui fait le nom de la team, porte bien son nom, la team Copain Pilote, c'est qu'en fait on n'est que des bandes de copains. On fait ces courses où tout le monde nous sort des paddocks officiels, mais après les courses on se voit tous, même si on se voit pas tout le temps, on arrive tous à se voir parce qu'on est des copains à la base. On fait vraiment la team porte bien son nom, c'est que on est une bande de copains et on est tous ensemble, on a toujours été ensemble, on se connaît depuis des années et donc on a toujours été à peu près le même nombre de personnes. Après, il y a toujours des gens qui se greffent un petit peu à droite à gauche, des gens qui se sont mariés entre deux, donc il y a les compagnes qui viennent, mais on est toujours à peu près les mêmes personnes, le même nombre de personnes. Même nombre de personnes. Alors, tiens, Franz, justement, parce que je sais qu'il te maltraite un petit peu de temps en temps, vous savez, quand vous êtes dans le bateau, tout ça, il exagère. Franz, tu sais qu'il est 22h15 et que j'ai oublié d'annoncer le top horaire. Alors, Franz, je vais te donner la consigne et c'est toi qui vas l'annoncer, l'heure. Il va y avoir de la musique qui va débarquer, tu vas voir un décompte. Lorsque ce décompte se termine, c'est là que tu vas dire Atomic Radio, il est 22h. Ok, vas-y. Donc, on va voir. Et tu gueules, par contre, Alex, s'il le fait mal, d'accord? Oui, bien sûr, pas de souci. Est-ce que tu es prêt? Alors, attends, je vais couper la musique, voilà, je coupe la musique gentiment parce que lui, il l'avait pas dans les oreilles, mais là. Tu es prêt? Dès que le décompte se termine à l'écran, c'est là que tu dis Atomic Radio, il est tout pile 22h, d'accord? Ok, vas-y. Attention, c'est parti. Atomic Radio, il est 22h. Ah, c'était pas mal. Bah, t'as oublié tout pile. Tout pile. C'était pas mal. Atomic Radio. Le son qu'il vous faut. Je vous adore. Atomic Radio. Alex, le verdict. Non, il se débrouille bien. Il se débrouille bien, ça va, c'était pas trop mal. Oui, il se débrouille bien, je crois que tu peux l'embaucher. Ah ouais, je t'embauche, allez, je te prends plus que Radioman. Eh bien, tu feras annonce-man du top horaire. Alors, un bon générique avec Franck, je suis sûr que ça passerait bien. Mais ouais, j'en suis certain. Je sens une pointe de jalousie, Alex. Mais pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Écoute, c'est très simple, si tu veux, on peut le faire à Alex. Allez, vas-y. Allez, on va le faire à Alex. Alors Alex, je sais qu'il y a un léger décalage, Alex. Tu vas entendre la musique qui fait tan. Et c'est juste après que tu dis Atomic Radio, il est 22h, d'accord? D'accord. Allez, on va essayer de le faire, voilà, comme ça. Et puis après, on revient à l'interview quand même, parce que voilà. Attention, tu as le retour. Atomic Radio, il est 22h. Eh ben voilà, il s'est défendu. Atomic Radio. Bon, on est à la bourre, il est 22h15. Je vous adore. 22h et 16 minutes à l'antenne d'Atomic Radio. Eh bien, tu vois, il s'est quand même pas mal débrouillé. Alors, tu me diras peut-être qu'il y a peut-être un décalage, mais c'est normal. Comme il a un décalage, forcément, ça arrive en décalé par rapport à ce qu'il dit. Mais voilà, Alex, félicitations. Je t'annonce que tu deviendras officiellement la voix off du top horaire. Allez, on va revenir un petit peu sur cette histoire, sur votre bateau. Alors, ça a commencé il y a 5 ans à peu près, c'est ça? Donc, votre première course. C'est passé aux 24 heures motonautiques, je suppose. Oui, c'est ça. Ouais, c'était en quelle année? C'était en 2012, donc. Oui, en 2012. Ouais. 2012. Alors, vous avez commencé avec ce bateau qui avait une particularité. C'était le bateau en bois. Pourquoi le bateau en bois aligné? Pourquoi vous avez commencé avec un bateau en bois?
Bah parce que à l'époque c'était les bateaux qui étaient, il était très vieux, il avait 20 ans et comme on avait très peu de moyens, et ben on a pris le bas de gamme quoi, on va dire entre guillemets de comme une voiture, ben on a pris la voiture d'occasion qui avait 20 ans, donc on a pris le bateau qui avait 20 ans et à l'époque ça se faisait en bois, donc du coup on avait un bateau en bois. Alors malgré ce bateau en bois, vous avez quand même remporté des victoires qui n'étaient quand même pas négligeables, même si ce n'était pas la victoire de 2016, des victoires qui étaient quand même assez sympas. Tu peux nous en parler de oui. ça, Alex ? Oui. On a eu des bons résultats, mais après c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que si les résultats sont à la fois aussi du bateau, mais aussi la préparation du bateau. C'est, on peut avoir n'importe quel bateau, un gros bateau qui marche pas, du moment qu'on a une très bonne préparation dessus, au niveau moteur, au niveau préparation coque, parce que il faut les préparer comme une voiture, on va dire, avec un aileron. C'est différent, c'est que c'est des préparations qui sont au niveau des patins, tout ça. C'est la préparation qui fait tout, et nous, on a une très bonne équipe et qui prépare très bien les bateaux, et ce qui faisait notre force avec un vieux bateau à l'époque. Et c'est ça qui vous a permis justement de remporter des victoires. C'est pas forcément que le bateau, c'est pas la vitesse, la puissance du bateau. C'est aussi toute une équipe qui travaille derrière. Alors ça a duré combien de temps justement ce fameux bateau en bois ? Je crois qu'on a fait deux saisons avec. Deux saisons avec ? Deux saisons. Ouais. Après on a changé contre un autre bateau qui était aussi en bois, mais un peu plus performant. Et après, on est arrivé l'année dernière avec le bateau tout carbone où on a fait nos super résultats. Alors, entre le bateau en bois et le bateau en carbone, alors déjà d'une, on va parler au niveau du poids par exemple. Quelles ont été les différences de poids entre. Parce que ça pèse combien à l'origine un bateau normalement à peu près, un bateau comme le vôtre ? Là, on va dire poids tout compris, on doit être à peu près bateau maintenant de nouvelle génération, on doit être aux alentours de 160 kilos à peu près. D'accord. À peu près avec le moteur. 380 avec tout complet rempli. Voilà, tout complet. Ouais. Et avec la grosse Bertha, vous avez commencé à combien de kilos approximativement ? On est. Je sais pas, on devait être pas loin des 430. 430, 420, d'accord. 420, ouais, facile, ouais. On a dépassé les 400 kilos. La première fois qu'on l'a pesé, le tout début avant les modifications, on devait être pas loin de ça. Ouais. Mais à l'époque, c'était des bateaux lourds, mais c'était pas les mêmes moteurs qu'on avait aujourd'hui. Donc, du coup, ça allait bien. C'est maintenant, comme on a changé beaucoup d'évolutions avec les moteurs qui polluent plus par rapport à l'écologie, tout ça, c'est des moteurs qui sont beaucoup plus lourds, donc ils fabriquent des bateaux plus légers, ce qui fait que ça fait un rapport de poids qui est beaucoup mieux maintenant qu'avec les bateaux de l'époque. D'accord. Passer de plus de 400 kilos à 200-250, c'est ça, Franz, tu disais ? Oui, à peu près. Sans le pilote, tout ça, quoi. À puissance égale de moteur, ça doit être énorme. Il n'y a strictement rien à voir. Le bateau, l'ancien, il allait à peu près à 80-90 km/h maximum, grand maximum. Large. Oui, large, les 90. Oui. Avec la butée d'injection reculée, c'est pour gagner un petit peu. On était content. Nous, avec l'Okinos, les 92, on avait l'impression d'être à fond sur l'eau. On était très content. Ah bah non, mais c'est clair. C'est quand on se faisait doubler qu'on s'apercevait qu'on était quand même vraiment très long. Ouais, bon, bah après voilà, c'était les débuts. Et là, aujourd'hui, on atteint des vitesse d'un peu plus de 100, aux alentours de 110 km/h. 110 km/h, putain, mais c'est phénoménal. Non, 117, Franz. Mais faut pas tout dire 120. Non plus. Faut pas 120. Tout dire. Oh là là. 117. Non, mais il est de Marseille, au bout d'un moment, tu vas aller à 300 km/h. Non, tout de suite. Fais gaffe, je suis chez moi, je suis à domicile. Je suis au téléphone, fais attention. Ouais. Et puis attends, il y a des textos qui arrivent. Attends, parce que tu sais, Alex, j'ai la main là sur le téléphone de France, hein. Donc je vois les messages qui passent, hein, s'il y en a qui arrivent. Quand je regarde, bouge pas. Ah, je vois des trucs qui débarquent. Je préfère même pas regarder, ça va me perturber. C'est pas grave, allez, je ferme. Tu gardes ton téléphone, c'est très bien. Ça a quand même pas mal évolué. Donc vous avez eu un bateau qui vous a permis d'évoluer. Alors ce bateau-là, vous l'avez changé une première fois pour un autre bateau en bois. Et ensuite, vous êtes passé carrément sur un bateau en fibre de carbone. Alors là, je pense que c'est surtout là que les choses ont dû vraiment changer, parce que vous aviez déjà une très très bonne notoriété. Notoriété qui était peut-être un petit peu rigolée, je pense, de la part des concurrents qui au départ regardaient la Team Copain Pilote comme une bande de débutants, comme une bande de nazes en fait, alors qu'en fait la Team Copain Pilote, ça n'a pas été une bande de nazes, parce qu'en fait ils sont quand même fait pas mal bouffer, et voilà, pour une team finalement
qui a débuté avec rien, une bande de copains qui ont voulu se lancer. Le bateau carbone a tout changé justement, et ça, ça vous a permis quoi en 2016? C'est à partir de 2016 que tout a commencé, je pense. On a été vice-champion du monde. Vice-champion du monde, ça c'était du côté de la Pologne. Alors, grâce à Rouen et par la suite, les deux courses en Pologne. Alors, quand on dit vice-champion du monde, c'est-à-dire c'était de la course de vitesse, de la course d'endurance, c'était quoi? Que de l'endurance. C'est les 24 heures de Rouen et les deux courses de 6 heures de Augusto en Pologne. Sachant qu'il y avait des poids lourds quand même dans votre catégorie, je suppose. Ah oui, tout à fait. Il n'y avait pas des rigolos derrière. Ah bah tout à fait, c'est toujours les mêmes très grosses équipes, et c'est ce qui rend le championnat très intéressant d'ailleurs. Les 24 heures motonautiques 2016, très beau résultat aussi, seconde votre catégorie, c'est quand même pas rien. Alors j'avais annoncé le dernier coup que vous étiez dans la catégorie numéro 2. Je me suis même fait engueuler d'ailleurs, vous êtes non, à 3. Non, t'as dit catégorie numéro 1, oui ou 2, je sais plus. Ouais, j'ai dit 2, ouais, tu m'as même repris, après ouais. Tu vas faire 3, 4, et tout, machin, catégorie 3. Ben non, bah, tu vois. Un jour peut-être, un jour, mais là, les budgets sont plus les mêmes. Non. Donc, seconde votre catégorie aux 24 heures motonautiques, et ça c'est quand même pas rien, vous étiez combien courir au total? Cette année, on était 15 dans notre catégorie. D'accord, mais l'année d'avant, 2016? On était à peu à un ou deux bateaux près, le même nombre. Ouais, à peu près, on doit être 15 ou 16 l'année dernière. Oui, aussi. Quelque chose comme ça. Donc, seconde votre catégorie, évidemment, ça a donné quand même pas mal de résultats, pas mal de belles choses. D'ailleurs, on s'en souvient. Ouais, c'était pas rien quand même, ça c'est les beaux souvenirs qu'on garde derrière, on vous entend d'ailleurs derrière. Un très beau résultat cette année. Vous avez fait très fort quand même. Vous avez fait très fort les gars. Comment s'est déroulée cette course? Alors on va d'abord parler, on va revenir un petit peu sur l'installation, sur la découverte du bateau pour le public. Ça c'était, alors parce que moi je me décale toujours avec le jour férié, je crois toujours que c'est le dimanche, mais en fait voilà, ça a commencé le samedi pour la découverte du public. Oui, tout à fait. Ça a commencé le samedi après-midi. Alors le public est venu vous rencontrer parce que maintenant vous commencez à être très connu. Quand on dit dans le monde du motonautisme, vous n'êtes pas rien. Comment s'est passée cette journée avec la rencontre du public? Parce que je pense qu'il y a aussi du public qui est venu vous rencontrer, qui ne vous connaissait pas. Qui veut nous en parler? Alex, Franz? Comme tu veux. Allez, vas-y, Alex. Ça a été une très très grosse surprise cette année. C'est vrai que l'année dernière on a fait un très gros résultat. On s'en est aperçu qu'on commençait un peu plus à nous suivre par rapport à notre page Facebook, la page Team Copain Pilote. Je le redis pour les gens qui la volent. Mais on s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus de gens qui nous regardaient sur la page Facebook, et on s'en est encore beaucoup plus aperçu sur les paddocks avec le nombre de gens qui est venu nous demander des autographes. C'est-à-dire que chaque année, on signe à peu près des autographes pour tous les jeunes qui viennent nous voir. Mais là, les gens venaient nous voir spécialement pour nous. Ils nous appelaient par nos prénoms. Et quand on n'était pas là pour signer, ils nous appelaient par nos prénoms en disant « Je veux voir Alex, je veux voir Aldo, je veux voir Cyril. » Et ça, c'est vrai que ça nous a fait un truc au cœur, parce qu'on s'est dit on est vraiment maintenant suivi par beaucoup de monde, et ça nous a fait chaud au cœur ce samedi. Ça nous a vraiment remis un boost pour la course qui était assez phénoménal. Et d'ailleurs, on est même tombé au bout d'un moment à court de posters, tellement il y a eu de monde qui est venu en réclamer avec des signatures. Ah oui, carrément, à ce point-là. Oui. Ah ouais, parce que après, on regarde un petit peu par rapport aux autres paddocks, et c'est vrai qu'on s'aperçoit un peu de la notoriété des teams par rapport aux gens qui viennent les voir, et c'est vrai que nous, on avait beaucoup, beaucoup de monde devant notre paddock. Donc c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait commencé à avoir une bonne notoriété, et que les gens nous appréciaient à notre juste valeur, quoi. C'est que nous, on n'avait rien changé, on était toujours les mêmes, mais c'est vrai qu'un résultat fait que vous êtes beaucoup plus vu par les gens, et ça fait beaucoup plus parler de vous. Mais que l'année d'après, voilà, l'année dernière, vous avez fini second de votre catégorie. Cette année, justement, le public qui est venu vous rencontrer, c'est peut-être aussi un public qui vous a découvert justement l'année dernière et qui s'est dit, l'année prochaine, je veux aller les découvrir, la Team Copain Pilote. Donc ça a été pour vous forcément une rencontre phénoménale et aussi un grand plaisir, je pense, pour le public de venir, ouais, on va dire, vous toucher, parce que c'est ça un petit peu. Mais voilà, c'est ça. Puis c'est surtout nous, comme tu expliquais tout à l'heure, on a commencé qu'il y a 5 ans, donc c'est pas très vieux. Non. Mais de là où on est parti, on était juste une bande de potes où, voilà, pour les gens, on était des gens qui ont réussi à faire un bateau et venir faire une fois les 24 heures. Au bout de 5 ans après, arriver à être au même, peut-être pas au même niveau que les professionnels, mais pratiquement, ça a été une grande joie pour nous, quoi. Vraiment une grande joie pour toute la team. Quelles sont les questions les plus récurrentes et les plus courantes que le public, lorsqu'il vous rencontre, a pour vous? Alors, hormis les félicitations, bien évidemment, mais quelles sont les questions les plus courantes
que ce soit sur le bateau, sur la course, sur est-ce que ils vous posent des questions sur vous-même, qui vous êtes, ce que vous faites là, je sais pas, je me rends pas compte. Oui, j'ai eu deux trois fois à savoir si ça me plaisait, des petits jeunes qui sont venus me voir, savoir si ça me plaisait de faire ça comme métier. Alors on leur expliquait que ça restait qu'une passion, c'était pas encore un autre métier, ça serait bien, on aimerait bien faire ce métier là, mais bon, on est obligé de travailler à côté, donc mais ouais, non, c'est la question qui est venue pas mal de fois. Et l'autre question qui vient beaucoup aussi, c'est la vitesse, savoir combien on va, comment la sensation qu'on peut avoir sur l'eau, si c'est rapide, c'est beaucoup les questions qui reviennent. Alors, et surtout si ça bouscule beaucoup dans le bateau. Ouais, bah oui. C'est vrai que la manière que vous pouvez voir vous sur les quais et nous voir sur l'eau, c'est complètement différent quand on est dans le bateau. C'est que des fois on a l'impression que le bateau est nickel, il va plat, il bouge pas, et nous dedans, la tête elle bouge dans tous les sens. Ça se coupe carrément. Mais le public justement se rend compte, puisque lorsqu'il vient à votre rencontre, je suppose que il y a un pilote à un moment qui se met dans le bateau pour montrer peut-être aux gens qui viennent. Bah voilà comment oui, il installe les enfants aussi, les enfants on les fait monter dedans pour qu'ils prennent des photos, parce que ouais. Ce qu'on dit, c'est que voilà, nous on est une bande de potes, on a connu l'autre côté du décor, l'autre côté de la barrière, on a été de l'autre côté de la barrière comme tous les gens qui viennent nous voir. Et quand on était gamin, le seul rêve qu'on avait, c'était de passer la barrière et de pouvoir monter dedans juste pour voir comment c'était et se faire prendre en photo. Donc nous, oui, non, franchement, si à chaque fois qu'ils viennent, s'ils veulent monter, on les met dedans, on leur fait la photo, ils s'en prennent pas. Et tu sais qu'il y a un truc qui est vachement marrant, c'est un des animateurs, d'ailleurs, celui qui animait l'émission juste avant le Space Mix, Jason Max, 19h-21h, a eu la chance, la possibilité justement durant les directs que j'ai effectués le dimanche après-midi de pouvoir venir me rejoindre pour justement me filer un petit coup de main et m'aider justement durant les directs. Et il m'a dit, c'est ce qu'il disait à l'antenne d'Atomic Radio, il dit écoute voilà, quand j'étais gamin, j'étais toujours de l'autre côté des barrières, je voyais toujours les paddocks et je me demandais toujours qu'est-ce qui se passe derrière. Et il me dit mais aujourd'hui c'est une chance phénoménale que j'ai justement de voir la vie justement de l'intérieur des paddocks et d'être de l'autre côté des gens qui justement eux ne peuvent pas rentrer. Il m'a dit c'est phénoménal, c'est un rêve de gosse, et il me dit voilà, je vis vraiment un rêve. Ça, ça a été sa réponse. Et je pense... Ouais, mais c'est ça, c'est ce que justement on ressent dans les yeux des gens qui viennent nous voir, et on s'est dit on était de ce côté-là avant, donc au contraire on essaie d'en faire en profiter un maximum aux gens pour justement leur montrer que bah nous on était de l'autre côté, on rêvait de le faire, donc maintenant qu'on est de l'autre côté de la barrière, que les gens rêvent de venir, on peut le faire, donc on le fait. On le fait avec plaisir, justement, de les recevoir pour leur montrer un petit peu l'envers du décor, quoi. Parce que c'est vrai que de les voir tourner autour d'un circuit et nous voir à l'intérieur pour voir comment ça se passe réellement au niveau d'une team, c'est complètement différent et on s'imagine pas vraiment comment ça se passe. Comme toi, tu as pu voir quand tu es venu. Bien sûr. Bah moi, c'est vrai que je l'ai vu un peu de l'extérieur. L'année prochaine, je couvrirai sur les 3 jours, les 2 jours et demi même exactement. Je pense que j'en verrai beaucoup plus. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'occasion de voir l'intérieur du bateau, mis à part de l'extérieur, mais sans pouvoir mettre le nez dedans. C'est vrai que de s'installer dedans, même pour un enfant ou pour quelqu'un, voilà, un ado qui découvre, c'est vrai que ça doit être phénoménal, parce que voilà, on n'arrive pas dans le coupé machin avec la coudoir centrale qu'on dépile, le porte-canette d'un côté, le bac à gants réfrigéré. Au bout d'un moment, ils vont y croire, hein. C'est limite. Hein. De quoi? Il y a la coudoir et non, tout. Non, il n'y a rien du tout. Justement, il n'y a rien de tout ça. L'intérieur du bateau, parce que là, voilà, quand les gens rentrent dedans, qu'est-ce qui les surprend justement sur l'intérieur du bateau? Parce que il faut savoir une chose, c'est tout petit. Bah, c'est tout, non seulement c'est tout petit, voilà. C'est allégé au maximum. Même 20 kilos de poids économisé, apparemment, ça a une importance phénoménale. Donc en fait, on se retrouve. Même 2 kilos, c'est vrai. Oui, c'est vraiment une. De toute façon, dans tout ce qui est sport mécanique de manière générale, à partir du moment où on commence à monter, monter dans les positions, monter de gamme, on va dire, de manière générale, le moindre kilo va faire une différence sur le comportement du bateau. C'est ou comportement de la voiture ou quoi que ce soit. Et c'est là que ça joue énormément, quoi. Alors, les gens qui montent justement dans le bateau pour la première fois, comment ils sont surpris à se dire, mais je suis vachement serré, oh là là, mais c'est raide, mais c'est vachement. C'est exactement ce qu'ils disent et on leur dit, bah imaginez que là vous avez même pas encore l'équipement du pilote, quoi. Si tu devais me donner un exemple, Alex, parce que moi je me rends compte que c'est très étroit. Mais par exemple, si je devais me mettre au vol, je parle sur route, au volant de quelque chose qui aurait 4 roues et qui pourrait me permettre, je veux dire, de sentir la moindre imperfection et de secouer dans tous les sens au niveau des bosses. Faudrait que je monte dans quoi, en fait? Ouais, je m'en rends pas compte. Karting? Ouais, un karting. Mais imagine, tu prends. Ouais, mais c'est pas fermé un karting. Mais ouais, bon, oui, c'est vrai qu'un karting, c'est la même. Le karting pour la sensation, par contre, de la route, c'est la même chose. Quand tu fais du karting, que tu prends tes virages, que ça se prend tout de suite direct, que tu as la moindre petite bosse, tu la sens.
Eh ben c'est ça, c'est exactement ça. En fait, nous, nos bateaux, en parlant vulgairement, c'est un karting, mais sur l'eau. C'est exactement pareil, c'est les mêmes sensations que le karting, la même conduite qu'un karting. C'est d'accord, pareil. Ouais, donc je me rends compte. Donc là, il y a juste qu'à imaginer, en fait, que dans le karting, justement, on soit en plus enfermé dans quelque chose de très étroit, et là, finalement, on aura... Une machine à laver, imagine que tu t'enfermes dans une machine à laver, c'est pareil. Ah non, je le ferais pas ça. C'est inconcevable, mais imagine être enfermé dans une machine à laver, bah c'est exactement pareil dans la cellule d'un bateau. T'es tout petit et t'es secoué de partout. Ok, bah je vais tester avec France tout à l'heure. Là, après l'interview, j'ai le foot d'œil, je vais regarder ce que ça donne. D'abord le faire tester quand même. Je préfère. Donc voilà, donc ça c'était la première journée découverte. Un moment finalement, voilà, qui vous a pas mal boosté, qui vous a donné vraiment du baume au cœur. Et là, le dimanche, la course a commencé et là, ça a été quand même carton plein. Vous avez été premier de votre catégorie durant toute la journée. C'était un truc de malade. Ça a été grâce aux essais qu'on a fait la veille aussi. Les essais. Alors qu'on commence un petit peu à être un petit peu plus au point et performant, tout se joue par rapport au pot, je disais, mais tout se joue aussi par rapport à la réglage des moteurs et par rapport aux hélices. Maintenant qu'on évolue un petit peu plus, on commence à avoir un petit peu plus de matériel, on va dire. Et du coup, on s'est basé avec à faire comme les professionnels. D'avoir un pilote référent qui nous fait tous nos essais, qui est Ludovic. Et du coup, la veille, on avait des essais. Alors, où à l'époque, quand on ne faisait pas la compétition, les essais, c'était juste pour dire, on monte dans le bateau, hein, on sent les sensations, tout ça. Maintenant, les essais, on les fait vraiment comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait des essais d'hélice, on fait des essais moteurs pour trouver le meilleur compromis, pour avoir la meilleure vitesse sur le bateau. C'est ce qu'on a fait le jour des essais et c'est ce qui nous a donné notre petit plus. On a dit, c'est ce réglage-là qu'il faut, on part avec ce réglage-là. Alors, quand vous et parlez. Donc, le dimanche, il y a eu la course. Mais quand vous parlez des essais, justement, parce que le bateau, en fait, avant d'arriver au 24 heures moto nautique de Rouen, vous l'avez déjà mis, je pense, sur un cours d'eau, enfin, voilà, un cours d'eau, genre, oui, tout ça comme ça. Mais... Vous l'avez déjà testé, mais l'importance de refaire des essais, en fait, justement, le parce jour que... des. Ouais, vas-y, dis-moi. Le plan d'eau de Rouen, on ne peut pas le reproduire nulle part ailleurs qu'à Rouen. C'est pas possible. Il y a les courants, il y a les vagues, il y a les mouvements de marée. Ce plan d'eau-là, c'est un plan d'eau qui est unique au monde. C'est pour ça que c'est vraiment une course qui est reconnue dans le monde entier. C'est que ce plan d'eau-là est impossible à refaire autre part. Sur un lac, tout ça, c'est impossible. Donc, n'importe quel réglage qu'on pourra faire pendant nos essais qu'on peut faire dans les bases nautiques, on n'arrivera pas à avoir les mêmes résultats à Rouen parce que le plan d'eau est complètement différent. Donc, il faut vraiment qu'on prenne une base et qu'on se trouve le meilleur réglage pour Rouen. C'est la seule course où on est obligé de trouver des réglages que pour cette course-là. C'est pour ça que c'est une course qui est vraiment difficile, mais qui est aussi vraiment superbe. C'est que on a vraiment un challenge complet du début jusqu'à la fin. On n'arrive pas avec le bateau en disant ça y est, on l'a réglé, on sait qu'il va marcher comme ça, on le met à l'eau comme ça et on va faire la course. À Rouen, c'est le seul endroit où on se dit on part de zéro, on trouve nos réglages et une fois qu'on les a trouvés, on peut dire on fait le départ le lendemain. Tant qu'on n'a pas trouvé le bon réglage à Rouen, on se dit on sera jamais satisfait parce que ce courant-là est vraiment unique au monde. Alors quand tu dis unique au monde, c'est quoi qui fait sa particularité? C'est les courants montants et descendants qu'il peut y avoir? C'est le fait que ça soit séparé par une presqu'île et que ça crée un courant supplémentaire, etc.? C'est ça, tout à fait. Hein. C'est les courants d'une part et le fait d'être entre deux rives bien rapprochées qui fait que ça fait des mouvements de vagues avec plusieurs bateaux qui passent en même temps. Donc ça fait un plan d'eau qui est complètement différent par rapport aux autres courses qu'on peut avoir où c'est généralement ce sont sur des lacs qui sont très étendus. Donc on n'a pas le mouvement de vague de l'autre bateau qui passe à côté et le retour de la vague contre la rive. D'accord. C'est ça qui fait la particularité de Rouen. Alors moi j'avais été vachement surpris justement parce que bon c'est vrai qu'on s'imagine pas forcément ça, je veux dire que bah voilà le mais si justement le courant a une importance phénoménale. D'ailleurs on se rend compte, alors je prends un exemple totalement différent parce que je prends le bac du côté de Petit Couronne, tu sais, avec le véhicule, tu sais, je le mets dessus et on sent que du côté de Petit Couronne ça tourne, je crois, de ce côté là justement la Seine fait un, et ben tu sais que on sent quand même que le bac il est là, il lutte quand même pour essayer, il lutte contre un courant quand même qui... Bon voilà, c'est qu'un bac, donc il arrive à le faire sans problème, mais on sent qu'il lutte quand même pour arriver. Je te confirme, il y a un grand courant dans la Seine. Un très grand courant. Pour avoir flotté dedans pendant une demi-heure, je peux te dire qu'il y a un grand courant dans la Seine. Pourquoi tu dis flotter dedans pendant une demi-heure, dis-nous? Parce que on a eu comme tu as su, le lendemain on a fait la course qu'on a tenu 13h premier et on a eu une avarie en plein milieu de la nuit. Ouais. Alors cette avarie, c'est moi qui étais dans le bateau. Ouais, c'est toi qui étais dans le bateau. Donc,
Alors, on va en parler justement. La Team Copain Pilote, et ça, nous en étions tous certains qu'ils allaient terminer premier de leur catégorie durant toute cette année. Tout le monde était derrière, tout le monde était confiant. Il est arrivé, voilà, un incident. Il était minuit et quart, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Oui, dans ces zones-là. Voilà. Ouais. Minuit et quart, le bateau a rencontré une vague malencontreuse, je crois, c'est ça ? Oui, voilà. Ouais, bah, c'est ça, c'est Alex qui parle un peu plus ça, en parler. Voilà. Ouais. Ça a été un peu le concours de malchance, c'est que on a eu une avarie sur le bateau vers 11h30. On a le courant qui s'est éteint. On sait pas pourquoi. Cyril était dans le bateau, il marchait très bien, on avait de l'avance, on était premier, et d'un seul coup les lumières se sont éteintes. Donc dans le règlement, c'est obligatoire d'avoir de la lumière. Donc du coup Cyril est remonté pour faire réparer. On s'est aperçu que c'était juste une cosse qui s'était débranchée, à mon avis, avec les vibrations du bateau. Donc il est reparti très vite et je devais prendre le relais après Cyril, donc j'ai pris mon relais et au bout de 20 minutes, donc on va dire à peu près une dizaine de tours, de l'autre côté de l'île La Croix, donc au bout de l'île La Croix au niveau du pont aux Anglais, au niveau de la bouée, quand j'ai voulu prendre mon virage, je sais pas, j'ai dû me... En pleine nuit, on voit rien. C'est ça le gros des le charme de Rond pour les photographes, c'est la nuit. Mais c'est vrai que c'est un charme pour en tant que pilote aussi de piloter la nuit. C'est vraiment un extase. Mais c'est aussi traître pour nous parce que on ne voit rien. Ouais, vous ne voyez pas les l'eau, c'est un miroir. Voilà, l'eau c'est un miroir et on ne voit rien. Et à cet endroit-là, là-bas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et quand j'ai voulu prendre mon virage, au moment de prendre mon virage, je me suis retourné. Aïe. J'ai pas compris, en une fraction de seconde, je me suis retrouvé la tête à l'envers sous l'eau. Alors, c'est justement c'est là où on se rend compte que, y a énormément de solidarité. Moi, j'ai suivi cette course jusqu'à minuit à peu près. Ensuite, voilà, je me suis un petit peu occupé chez moi à faire deux, trois choses. Et je m'y suis repenché à 1h15 du matin. Et à 1h15, c'est là que je me suis rendu compte que le bateau avait eu un souci. Et bien, le nombre de commentaires et le nombre de... Enfin, de j'aime. On va pas dire j'aime parce qu'on n'aime pas un bateau qui se retourne. Mais je veux dire, le nombre de réactions qu'il y a eu au moment de cet incident était phénoménal. Plus de 25 personnes entre minuit et quart et 1h15 du matin qui a été venu liker ce commentaire. Et des personnes... Il y en a eu beaucoup plus que j'ai eu à la fois ceux qui étaient sur Facebook. Oui. Enfin, moi, vu que j'étais vraiment en première loge, on va dire, il y a eu ça, il y a eu tous les gens aussi, bah, de la part de la team aussi, qui étaient tous là à s'inquiéter, bah, à la part pour le bateau, mais aussi pour moi, qui m'a beaucoup touché. Et tous les gens qui m'ont envoyé des messages à moi sur mon Facebook perso, qui sont venus me voir dans les paddocks après, c'est vrai que ça a été, Ça m'a fait chaud au cœur et ça nous a fait chaud au cœur parce qu'ils sont tous venus nous soutenir et ils ont tous venus nous donner un coup de main pour essayer de remettre le bateau vite en état pour le faire repartir. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y a une solidarité sur le parc à bateaux qui est énorme et qu'on est très apprécié. Ah ouais, non, mais ça on l'a ressenti. Alors évidemment, je dis 25, mais 25 c'était sur la première demi-heure, mais il y en a eu d'autres après et ça a continué. Ah oui, oui. Grande solidarité. Alors cette vague, voilà, retourner le bateau, gros coup de chance, je veux dire, voilà, et, tu n'as rien eu. Et d'ailleurs, c'est surtout aussi voilà. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que je me suis retourné. C'est la première fois pour moi et c'est la première fois pour nous aussi dans la team parce qu'on n'avait jamais eu d'avarie comme ça. Et il a fallu que ça tombe sur moi. J'ai pas eu de chance. C'est pour ça tombé sur moi. Mais c'est vrai que chaque année, on a un test piscine qui nous apprend justement à sortir du bateau quand il se retourne. Mais de le faire en piscine et de le faire en vrai, c'est complètement différent. Ah bah oui. On s'aperçoit que de l'avoir fait, c'est très bien parce qu'on a les réflexes que si jamais je l'avais pas fait, je l'aurais jamais eu. Mais de le faire en vrai est complètement différent parce que quand vous le faites en piscine, vous êtes dans une cellule qui est adapté pour faire ce test, mais qui est ouverte de partout avec des trous dans la cellule pour faut que l'eau rentre plus vite pour justement que les gens puissent passer parce qu'on est plus de 200 à le faire. Mais quand vous le faites en vrai, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est que là, on a un pare-brise, on a une bulle, on a tout. Et là, il faut attendre, malheureusement, comme un idiot, il faut attendre que l'eau rentre dans le bateau pour pouvoir ouvrir le capot parce qu'après, il y a l'effet de l'eau dedans et de l'air. Donc, du coup, tant que l'eau n'est pas au niveau du bateau, vous pouvez pas ouvrir le capot. Alors attends, il a fallu que j'attende. Combien de temps? Ça m'a semblé une éternité, mais ça devait être quoi, une minute, même pas une minute, j'ai dû attendre, mais il a fallu que j'attende que l'eau me monte jusqu'à la tête pour pouvoir ouvrir le capot. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand vous êtes à l'envers, que vous entendez les bateaux passer juste à côté de vous, que vous êtes obligé d'attendre que l'eau rentre dans le bateau pour pouvoir sortir, c'est très stressant. Ah, carrément. Alors là, bon, gros. C'est très stressant, et gros, voilà, et comme, j'étais un peu long à sortir parce que j'avais un petit peu de mal à sortir du bateau. Bien sûr. Du coup, c'est pour ça que ça a été très long de me faire ressortir de l'eau parce que, le problème de la Seine, c'est qu'elle est très froide.
très 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 froide et que vous dans le bateau quand vous êtes dedans et que vous courez sans, il doit faire 40 degrés dans le bateau parce que tout l'équipement qu'on a sur nous c'est une catastrophe. Ah oui, d'accord. Et la différence de température a fait que j'étais congelé quoi, je pouvais plus, j'arrivais même pas. Heureusement, c'est là qu'on se dit que l'équipement est très important parce que heureusement que j'avais un gros gilet de sauvetage parce que je n'arrivais même pas à nager tellement que j'avais froid. Ah ouais, c'est énorme. Ah oui, non, mais d'accord. Ouais, non, mais je vois le truc. C'est là qu'on se rend pas compte, voilà, que c'est. Ouais, non, mais si, ça doit être assez flippant. Bah, faut ça pas être un sport dangereux quand même, parce que c'est vrai que c'est un beau sport, mais ça reste quand même un sport où faut faire attention et heureusement qu'il y a des règles de sécurité, parce que ça reste un sport dangereux quand même. Alors, le retournement, malgré tout, bon, voilà, même si, voilà, c'est toujours dangereux, ne s'est finalement pas si mal passé que ça. C'est-à-dire, voilà, t'as réussi à t'extirper du bateau rapidement. Le bateau a été remis, à l'endroit, je suppose. Alors, comment ça s'est passé, ça, d'ailleurs? Parce que, après, je pense qu'il y a une équipe qui vient, qui remet le bateau dans le bon sens, non? Ça se passe comment, tout ça? Alors, moi, personnellement, j'ai rien vu, parce que quand je suis sorti du bateau, il y a l'équipe médicale qui m'a pris en charge. Et comme je te disais, que, par rapport au courant, c'est qu'ils m'ont pris en charge du pont aux Anglais. Et le temps qu'ils me prennent en charge et qu'ils me montent dans le bateau médical, on était au pont Mathilde. Donc tu vois qu'il y avait un courant énorme, mais moi le bateau je l'ai pas vu parce que les plongeurs l'ont apparemment retourné aussitôt après et l'ont amené directement. Oui, c'est exactement ça. Directement à ponton. Alors en fait c'est exactement ça, mon petit Alex. C'est en fait les plongeurs quand ils sont venus te récupérer, ils ont attendu aussi que le bateau médical arrive. Pendant ce temps-là, ils retenaient le bateau pour pas qu'il parte. Et dès qu'ils ont eu la possibilité, ils l'ont retourné, ils l'ont remorqué et il a été remorqué à peu près en même temps que toi. Alors, mais moi j'ai pas vu moi. Alors, non, moi je l'ai vu passer devant. Alors malgré tout, voilà, tu Alex s'en est très bien sorti d'ailleurs. Gros coup de chance. Alors, faut savoir une chose, c'est que quand les bateaux s'est retourné à minuit et quart, la course se terminait à 1h du matin pour reprendre à 8h, je crois, c'est ça le lendemain. Ouais. Voilà. Alors, par contre, avant de parler de la suite de la course, je voudrais remercier quand même une personne. Alors, je sais pas si elle va nous écouter. Je voudrais remercier Alison qui est à la radio quand nous, on n'avait pas de. Malheureusement, on ne pouvait pas avoir d'informations sur l'état d'Alex, a automatiquement passé un coup de téléphone à une personne qu'elle connaissait pour qu'on puisse en avoir le plus rapidement possible. Eh bien, on la remercie. On la remercie parce que c'est vrai que dans ces moments-là, ça doit être assez compliqué. C'est compliqué pour eux et c'est compliqué, ça a été compliqué pour moi aussi parce que c'est vrai que l'équipe médicale prend très bien en charge. Je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont super bien entraînés et ils m'ont très bien pris en charge. Mais c'est vrai que moi, le temps que je peux prendre en charge, que je revienne jusqu'au PC médical, c'était très long. Mais dans ma tête, je me disais, c'est vrai que eux, sur le paddock, ne savent rien. Le seul truc qu'ils savent, c'est que j'ai eu un accident. Mais après, ils ne s'en savent pas plus. On pouvait pas leur dire que j'allais bien, que j'avais rien. On pouvait rien leur dire. Et ça, c'est vrai que moi, personnellement, dans le bateau, c'était stressant. En plus, il y avait ma femme qui était sur le paddock et tout. Et c'est vrai que c'était stressant de pas pouvoir leur dire, ça va, tout va bien, vous inquiétez pas, je suis retourné, mais ça va. Oui, parce qu'une fois, fois retourné, t'avais plus d'accès à la radio, t'avais plus d'accès à rien, je suppose. Ah non, j'avais plus rien, non. J'avais mon casque. Ouais, d'accord. Alors, gros coup de chance, entre guillemets, on va dire. Retournement minuit et quart, le bateau sorti de l'eau, la course s'arrête automatiquement à 1h du matin pour reprendre à 8h le lendemain. Il faut savoir une chose, c'est que les mécaniciens n'ont pas le droit de toucher au bateau de 1h du matin à 8h. C'est-à-dire qu'il est en lieu clos, en lieu clos, on appelle ça comme ça, France? Non, parc fermé. Parce qu'en fait, la course de Rouen n'est pas deux courses différentes, c'est une course continue. Une course continue. Donc, du coup, voilà, quand ils font une suspension de course à 1h du matin, on est toujours en course en fait. C'est pas deux courses vraiment différentes où on refait un nouveau départ. Non, c'est vraiment une course continue. C'est juste une interruption à 1h du matin. Donc c'est comme si on était encore en course en fait. Mais on n'a pas le droit de toucher au bateau. Pas le droit de toucher au bateau. Pas le droit de toucher au bateau, ce qui veut dire qu'en fait le bateau, le temps qu'il soit remorqué, qu'il soit remonté, voilà, vous avez même pas eu le temps quasiment d'y toucher pour ainsi dire. Et malgré tout, la course a redébuté le lendemain à 8h. Non seulement le bateau a réussi à être remis, parce que voilà, il n'y avait pas tant de dégâts que ça, a réussi à être remis en service. À quelle heure? Alors, 8h du matin, c'est l'heure à laquelle a redébuté la course pour tout le monde. Je crois que c'était 7h du matin. 7h du matin. 7h. Et nous, on a remis à l'eau à 8h30 à peu près, 8h30. Mais justement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce qui fait la force de notre équipe, c'est qu'on a une équipe très bien soudée et on a eu des mécaniciens et des assistants qui ont très bien bossé parce que franchement, pour arriver à ce résultat-là, au bout de, on va dire, allez, en gros, en voyant très large, 2h. En 2 heures de travaux, ils nous ont remis le bateau en état, ils l'ont remis sur l'eau. Franchement, moi, je leur tirerai toujours mon chapeau, même si je sais pas s'il y en a beaucoup qui nous écoutent, mais s'ils nous écoutent, je leur tire encore mon chapeau aujourd'hui, parce que franchement, ils ont été super professionnels et super bons.
Bah très très bon, surtout pour une team de copains. Voilà, comme le disait encore il y a peut-être quelques années, les concurrents, la team de Naz. Mais non, regardez, la team de Naz, elle est devant vous, elle vous a bouffé. Elle a beaucoup bouffé cette année. Elle vous bouffera l'année prochaine. Oui, on leur a fait mal, c'est qu'on a eu, on a eu cet incident à minuit, et quand on est retourné le lendemain, bah, malheureusement, on avait perdu beaucoup de place. Non, pas autant que si on avait été plus long, parce que c'est vrai qu'ils ont tellement été rapides qu'on a perdu que 4, on avait perdu que 4 places. Je crois qu'on était 5e. On était 6e quand on est 6e au départ, en fait. Voilà, on était 6e au départ, mais pas très loin, quoi. Pour 2 heures de retard, on aurait dû être normalement au fin fond du classement. Mais comme on avait pris beaucoup d'avance avant l'incident, ce qui était impressionnant pour eux, qui nous l'ont dit après, c'est qu'on a remis très vite le bateau à l'eau et que le bateau marchait toujours aussi bien quand on l'a remis à l'eau après l'incident. C'est qu'on marchait aussi fort que les premiers, quoi. Alors, j'ai une petite question dans tout ça. Le bateau s'est retrouvé entre le samedi soir et le dimanche soir et le lundi matin. Combien de temps au total? 2 heures et demie? C'est-à-dire à l'arrêt? Ouais, à l'arrêt, c'est-à-dire sans courir, une heure et demie à peu près. On va dire une heure et demie. Une heure et demie. Vous étiez premier de votre classement durant toute la journée du samedi. C'est pas compliqué à savoir. Tout le monde pouvait le savoir, sauf peut-être une personne. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et pourquoi tu rigoles, Franck? C'est pas marrant, Franck. C'est pas drôle. C'est des choses pas marrantes. Ça me fait pas rire. Franck, tu arrêtes. Mais moi je vais me mettre à rigoler aussi. Non, faut pas que tu rigoles. Vous avez quand même réussi, et ça les gars, mais c'est énorme. Plus d'une heure et demie de temps perdu. Vous avez fini 4e de votre catégorie. Alors évidemment, c'est pas pour que tu aies des remords que je te dis ça, Alex. Ah mais j'en ai pas du tout, justement, parce que nous on n'a pas de remords, parce que pour nous c'est une réussite, parce que comme je te disais, c'est la première fois qu'on a eu un incident aussi important sur notre bateau, et malgré cet incident-là, finir 4e pour nous c'est une très grande victoire pour nous, parce que ça nous laisse quand même des portes ouvertes pour la suite, hein, et rien n'est fini encore pour nous. Alors on va en parler dans quelques minutes. Je vais revenir sur une petite chose justement avant de parler de l'avenir, parce que moi il y a plein de choses que j'ai envie de savoir. Tu parlais de l'eau tout à l'heure. Tu disais que l'eau, voilà, présentait certains dangers, la nuit ça pouvait être comme un miroir. Et moi j'ai été vachement surpris. Je crois que c'est Franz qui m'en a parlé d'ailleurs. La Seine ne comporte pas forcément que de l'eau et des vagues. Il y a aussi pas mal de saloperies qui. Non mais ça, oui, j'y connais. Je confirme. Mais non. Oui, je confirme. Alors non, mais attends. Alors quand on dit saloperie, moi j'imaginais quoi? Allez, un paquet de clubs qui flottent ou des trucs comme ça. Non. Apparemment. Non, des fois, on peut avoir un tronc d'arbre qui passe en plein milieu. Putain. Mais c'est vrai. Ça reste un fleuve. Donc le fleuve, la Seine est immense. Donc elle part au-dessus de Paris jusqu'au. Et on a entre ces deux villes-là, il y a plein de petites îles, plein de petites presqu'îles. Donc ça reste la nature, quoi. Donc quand il y a les grandes, on pourrait avoir des fois un grandis là-haut, l'eau monte jusqu'à sur l'île, et puis en redescendant, les arbres à force se fragilisent, et après ça suit. Après il y a les gens qui sont pas très propres non plus, qui jettent un peu tout n'importe quoi dans la Seine. Donc, vous pouvez trouver tout n'importe quoi, mais ça aussi c'est des dangers qu'on peut avoir le jour comme la nuit. Alors le jour, gros dégâts. Le jour on peut les éviter peut-être entre guillemets plus facilement. Un petit peu plus, mais après des fois c'est pareil, maintenant on a des bateaux qui sont très performants, à la vitesse où on va, on peut pas permettre de mettre comme si on était sur une route à 130, on voit un pneu, on met un grand coup de volant, c'est pas possible. Donc des fois on peut l'éviter, des fois on peut pas, donc on prie pour qu'il y ait pas de dégâts sur le bateau, on entend juste le boum dedans, mais des fois c'est vrai que moi ça m'est arrivé pendant un relais de voir des morceaux de bois qui étaient énormes, c'est comme si tu voyais une route de secours en plein milieu de l'autoroute, quoi. C'était pareil. Est-ce qu'il y a une solidarité, on va dire, entre. C'est de la compétition, je sais bien. Mais est-ce qu'il y a une solidarité, entre guillemets, on va dire, entre les pilotes ou autres, de dire faites gaffe, les gars, voilà, prévenez les autres, là, j'ai vu ça traîner. À la radio, il y a beaucoup de monde qui se déplace en disant écoute, j'ai mon pilote, il a vu, un tronc d'arbre à tel secteur, etc. Préviens ton pilote, etc. Et donc dans la foulée, on essaye de le prévenir. Non, ouais, ça reste. On est tous compétitifs. On va dire que 80% du parc à bateau sont tous des gens lambda comme nous, qui ont des métiers à côté et qui font ça par passion. Et on reste dans une compétition, mais on est tous solidaires derrière. C'est que on reste une grande famille.
même si des fois il peut y avoir des gens qui se détachent un petit peu, mais ça reste quand même une grande famille où tout le monde s'entraide. C'est-à-dire que une fois que la course est finie, on va se parler, on va prendre un verre ensemble. Voilà, il y a juste cet esprit de compétition pendant la course, mais on reste quand même tous solidaires entre nous à s'aider. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, ou comme Franz disait, si quelqu'un voit quelque chose sur l'eau, qu'il l'a prévenu, il va prévenir tout le monde. On n'est pas là pour se tirer des bâtons dans les roues. C'est pas, ouais, comme je disais, il y a toujours des gens qui se détachent un petit peu, mais ça, malheureusement, c'est comme dans toutes les compétitions, mais ça reste une grande famille. Ouais, une bonne solidarité malgré tout quand même. Ouais. Alors voilà, bon, quatrième de votre catégorie, une belle victoire, une très belle victoire. Il n'y aurait pas eu ça, c'est clair que vous auriez fini premier, c'est certain. Certes, voilà, c'est pas, vous n'avez pas fini premier, vous avez fini quatrième, mais l'année prochaine, et on y croit vraiment, et on l'espère vraiment, et voilà, c'est vous allez y arriver. Alors, j'ai certaines choses que l'on m'a dit, hein, mais je ne veux pas en parler, parce que je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler, finalement, de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour la team Copain Pilote? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce qu'il va y avoir... qu'est-ce qui va se passer? C'est un vrai animateur de radio, Franz. Ah, t'as vu, hein, il est bon. Ouais. Il est bien, il est bon quand même. Il est bon. Il y a certaines choses qui sont déjà arrivées. Ah, comme vous pouvez le voir sur notre Facebook, en fait, on a un nouveau bateau. En fait. Un nouveau bateau. Alors, le bateau que vous avez... changer finalement, vous avez quitté votre bateau carbone, celui qu'on a connu là aux 24 heures. Ouais, on a quitté notre bateau fétiche, on a quitté notre moule-moule comme on l'appelait. Ouais. Le moule-moule? La moule-moule. Ah, c'est parce que quand t'étais dedans, ouais, il te moulait en fait, c'est ça, quand tu rentrais dedans, c'est ça. Alors... Non, c'était son surnom. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous l'avez changé? Pourquoi vous avez eu envie de le changer? Qu'est-ce que ça va vous apporter pour l'avenir et pour... Bah... j'ai envie de tout savoir, moi je pose des questions là. En fait, c'est pas vraiment une envie. Comme tu l'as expliqué depuis tout à l'heure, on a une évolution depuis 5 ans qu'on a été à crescendo. On a commencé par un bateau vraiment le ras des pâquerettes, après on a essayé de prendre un bateau un petit peu plus performant, et ainsi de suite. Là, on a fait une super performance avec notre bateau cette année où on a tenu 13 heures à la première position, ce qui est pour nous un extase. On n'aurait jamais cru arriver à ce résultat-là. Et on s'est dit, et grâce à nos sponsors, je vous le dis encore, c'est grâce à eux qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. On a eu l'occasion par deux sponsors qui ont suivi un peu la course des 24 heures, qui sont toujours à fond avec nous depuis plusieurs années. Et il savait qu'on voulait évoluer encore, et il s'est dit, bah si vous voulez les gars, si on fait une évolution, bah on peut la faire cette année. Donc nous, l'évolution qu'on pouvait avoir en plus de ce qu'on fait maintenant, c'est de prendre une coque dernière génération. C'est une coque qui est vraiment dans les goûts d'aujourd'hui. Donc on a eu l'occasion de le faire, donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une coque dernière génération aujourd'hui pour aller viser les places encore plus hautes et les maintenir tranquillement. Les premières places. Alors cette coque nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle apporte en plus? Alors je suppose peut-être qu'il y a le poids, peut-être la largeur, la longueur, l'aérodynamisme, enfin voilà. Qu'est-ce que cette nouvelle coque a de plus que l'ancienne et qu'est-ce qu'elle va vous apporter en fait en termes de vitesse ou en termes de navigabilité? Oui, c'est ça, navigabilité. T'es en train de chercher le mot là. Un petit peu tout, parce que c'est complètement différent de la nôtre. Comme tu disais, il y a le poids qui joue beaucoup, il y a l'évolution de la coque. Pour faire une comparaison, c'est comme si on prenait je sais pas comment te dire, mais comme si on prenait nous on avait la Mégane de 3 et là on est passé à la Mégane qui est en ce moment dans les magasins. On est vraiment passé à l'évolution qui est complètement différente, un aérodynamisme différent, des conceptions de patins différentes. Donc on est vraiment là dans le haut de gamme de haute gamme des coques de notre catégorie, en fait. Alors, pour donner une idée aux auditeurs, aux auditrices qui n'auraient peut-être pas tellement saisi, en fait, vous prenez l'exemple d'une Mégane, les phases 1 que vous avez eu en 99 et les toutes dernières, à puissance égale, allez, on va dire un moteur de 110 chevaux, par exemple, eh bien, vous avez deux véhicules qui ont la même puissance, sauf que dans l'un, vous avez un moteur qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus travaillé, avec peut-être un turbo, enfin voilà, les turbos,
leurs bateaux n'ont pas de turbo, mais avec un turbo avec géométrie variable qui vous permet d'avoir plus de reprises, etc., qui de moins polluer, d'avoir plus de performance, d'avoir moins de consommation, etc. Donc voilà, tu me dis si je me trompe, Alex, hein, c'est ça? Ouais, non, c'est ça, c'est que c'est une évolution comme les voitures, en fait, c'est une évolution de coque qui fait que voilà, on aura des meilleures performances tout en fatiguant moins la mécanique, une fiabilité qui est un petit peu plus importante que ce qu'on avait encore aujourd'hui, malgré qu'on avait un bateau qui était très performant, hein, c'était un bateau. C'est parce que l'occasion a fait qu'on en avait parlé et qu'on voulait un petit peu plus évoluer dans les coques modernes. Mais si on n'avait pas eu cette évolution-là, le bateau qu'on avait, l'ancien, la moule-moule, elle était très bien. On aurait encore très bien pu l'évoluer encore un peu plus longtemps. Mais on a eu l'occasion qui fait que bah, peut-être que dans une ou deux années, notre bateau a été un petit peu trop vieux pour continuer à viser les premières places. Il aurait fallu changer. Bah, du coup, là, on a eu l'occasion qui a fait que, donc on l'a fait là maintenant. Et là, donc là, vous allez passer à un tout autre bateau. Alors, qu'est-ce que vous récupérez finalement de l'ancien bateau? Est-ce que vous récupérez par exemple le moteur ou est-ce que ça va être un nouveau moteur? Est-ce que... Parce qu'en non, fait, faut savoir que quand on change un bateau, le bateau est nu. C'est comme si tu changeais, on va repartir sur une voiture, mais c'est comme si tu changeais la voiture sans le moteur, sans rien. D'accord. Tu gardes juste la voiture et son siège, et ses quatre sièges. Ben là, c'est pareil. En fait, on change juste cette conception-là. C'est que le moteur reste le même, les pilotes restent les mêmes. Évidemment, ouais, bah oui. Les pilotes restent les mêmes, mais après, c'est le bateau en lui-même qui est complètement changé. D'accord. Et le fait de le changer, justement, et de rééquiper avec l'ancien, là, tout en gardant évidemment le même moteur, malgré tout, je veux dire, la coque va vous permettre d'avoir des performances accrues, supérieures même, on va dire, par rapport à l'ancienne coque que vous aviez, la moule-moule. Oui. Une grande évolution même. Ça sera encore. En fait, on a eu la grande évolution entre le bateau en bois et ce bateau carbone qui a été pour nous un grand bond dans le motonautisme. Et là, on a le deuxième coup. On s'est mis le deuxième coup derrière pour avoir cette deuxième évolution en fait. Une évolution qui va vous apporter beaucoup. Alors, pour les auditeurs, les auditrices qui se poseraient la question, il est 22h57. DJ Adams débute à 23h. DJ Adams va commencer avec quelques petites minutes de retard, donc il est en attente derrière. Il m'a envoyé un petit message. Il vous demande de ne pas raccrocher. Ça sera vers 23h05, 23h10 grand maximum, le temps de terminer cette interview. Alors, ce bateau, donc la coque est arrivée. Je suppose que le bateau n'a pas encore été habillé, n'a pas été préparé. Enfin, il n'est pas encore équipé évidemment là pour l'instant. Tout ça, ça va être en phase de... Il est en cours de préparation. D'accord. La course d'endurance cette année, est-ce qu'elle va avoir lieu, la course d'endurance? Quelle course d'endurance, c'est-à-dire comme celle que vous aviez fait en Pologne, est-ce qu'il va y en avoir une cette année? Oui, on y va. Nous allons en Pologne. Alors attends, parce que là c'est là où je me pose la question justement, parce que je savais que vous y alliez, mais là vous êtes en transition de bateau. Oui, mais on y va avec le nouveau. On y va avec le nouveau. Vous allez avoir le temps de faire le nouveau bateau, les gars. Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui. Là, c'est toute l'équipe de mécaniciens et qui s'occupe de la préparation, qui va refaire un boulot de dingue. Et on va retourner en Pologne, parce que quand on a fait quatrième, bah, le podium, il est pas loin. Donc bon, on va essayer d'aller chercher le podium. Allez chercher le podium. Alors allez faire un petit tour directement du côté de la page de la team Copain Pilote. Si vous ne la retrouvez pas, eh bien écoutez-moi tout de suite, à l'instant, je la partage sur la moule-moule. Bah attends, on va copier le texte qui va avec. Allez directement, si vous ne retrouvez pas la page de la team Copain Pilote sur la page d'Atomic Radio, vous allez retrouver eh bien justement la moule-moule en photo. Et ça vous permettra eh bien de retrouver directement la page de la team Copain Pilote. N'hésitez pas à aller mettre un petit j'aime là-bas. Ça, c'est un truc de malade. Alors, le bateau qui est là, que je vois, moi que j'ai en photo pour l'instant, là, à l'écran, avec sous une tente, avec l'ancien bateau à côté, mais il en jette. Oui. Et j'adore le regarder, ce bateau. Et franchement, les couleurs, changez pas. Ah, il va nous manquer, ça. Non, mais je sais pas au niveau des couleurs si vous allez refaire pareil, mais changez pas le noir et le rouge. Oui, c'est nos couleurs. Ah, ouais, non, faut les garder. Ça changera jamais. Ça, les gens qui s'inquiètent pas, c'est le noir et le orange sont les couleurs de la team Copain Pilote, ça ne changera jamais. Mais attends, parce que là, si je regarde le bateau qui est à droite. C'est le nouveau. Ben oui, c'est nouveau. Il y a déjà le moteur qui est dessus. Bon, la peinture n'est pas faite, évidemment. Donc là, c'est à quelle date? Redonne-moi la date, Franz. J'ai pas noté la date. C'est aux alentours du 7 et le 8 juillet. Voilà. Le 8 juillet. Donc là, pour le 8 juillet, je suppose que vous allez bosser à fond, parce que là, le fait de rééquiper ce bateau, vous allez retravailler sur tout le système de direction, parce que je crois que la direction se faisait avec des câbles qui passaient dans c'est des coulisses. C'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même système de direction. Et là, vous allez faire des tests aussi, je suppose, à l'avance. Alors, pour les tests, malheureusement, là, on est en recherche d'un plan d'eau. Donc, si quelqu'un connaît un plan d'eau privé qui pourrait nous le prêter afin de pouvoir faire des essais, ça serait un grand plaisir.
puisque là où on fait des essais, malheureusement, cet été, ça ferme. Donc, on va partir. Sinon, on part en Pologne, en faisant les essais en Pologne. Il faut des grands plans d'eau. Enfin, je veux dire, je me rends pas compte au niveau de la longueur, au moins un kilomètre, je pense, non, 500 mètres. Je sais pas, je me rends pas compte, hein, je te dis ça. Là, oui. Ouais, il faut des lacs qui sont à peu près pour, comme, pour des bases de ski nautique, en fait. Ouais, d'accord. C'est à peu près cette taille-là qu'il nous faudrait, ouais. Eh bien, on lance un appel, hein, vous qui nous écoutez peut-être en ce moment ou qui écoutez ce replay. Si vous avez la possibilité, eh bien, voilà, de filer un petit coup de main, justement, à la team Copain Pilote, en leur proposant, voilà, en plus un petit coup de pub pour vous aussi, hein, ce truc-là, parce que je vous assure que c'est pas n'importe qui. Eh bien, voilà, n'hésitez pas à rentrer directement en contact avec la page de la team Copain Pilote, ou si vous ne retrouvez pas cette page, allez sur la page d'Atomic Radio, vous retrouverez le lien de la team Copain Pilote et vous pourrez, justement, eh bien, leur filer un petit coup de main. Donc, voilà, donc là, ce qui veut dire qu'en fait, si par exemple, personne ne venait à vous trouver un cours d'eau qui vous permette de pouvoir tester le bateau, ça serait Directement avant la course. Il y a la séance d'essai d'avant la course. Wow. On fera les essais là-bas. Waouh. Alors la séance d'essai avant la course, par exemple, si vous arrivez 2 jours à l'avance, parce que vous dites bon, finalement, on va arriver 3 jours à l'avance, comme ça, on va tourner pendant 3 jours avec le bateau pour voir comment ça marche. Non, il y a des heures. Ça marche pas comme ça. Ça marche même pas comme ça. Ça marche pas comme sur les circuits classiques pour les voitures ou les motos où on paye des séances d'essai, etc. Là, c'est pas du tout le cas. On arrive par exemple le jeudi. C'est prévu sur le planning le vendredi de telle heure à telle heure, séance d'essai de votre catégorie. Puis, et bah, à ce moment-là, on met le bateau à l'eau, on fait les essais et on y va. Après, on ressort le bateau et on attend la séance, on la a séance suivante. On a des très bons préparateurs, on a confiance. Même si on n'arrive pas, malheureusement, on le souhaiterait en avoir un, mais si on n'arrive pas à avoir de plan d'eau, on a confiance en vos préparateurs et on sait très bien que qu'il faut les réglages se passeront sans souci. On a bien fini Rouen 2e l'année dernière sans faire de séance d'essai, hein. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, bah oui, c'est vrai, remarque, on n'y pense pas. Alors voilà, bon, bah, l'appel est lancé, bien évidemment. Alors, si vous trouvez justement ce cours d'eau, en plus, ça serait. J'en parle, c'est moi qui en parle de moi-même, ça, je sais qu'on a un partenaire du côté d'Atomic Radio. Alors, je sais pas, c'est vraiment dans les cartons, puisqu'il n'y a rien de décidé, mais qui s'était proposé de vous faire une vidéo sympa, et en plus, c'est un professionnel, c'est la société d'Ifroid.com. Ils sont partenaires d'Atomic Radio, ils sont très sérieux, hein, c'est pas. On va dire que c'est un peu comme la team Copain Pilote, c'était une bande de rigolos au départ qui se faisait passer pour des rigolos et qui finalement ont fini quand même au sommet du box-office, je veux dire, avec des résultats non négligeables. Et bien, Ifroid.com, voilà, c'est proposé. On va pas parler de chiffres parce que je sais même pas s'il va y en avoir finalement. Voilà, on va en dire plus. On va pas en dire plus là-dessus, mais je pense qu'il y aura des belles surprises à voir justement au niveau montage audio et visuel pour la team Copain Pilote. Et moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, parce que je sais que si Paul Bronze, que tout le monde connaît d'ailleurs dans le monde de la radio et aussi d'Ifroid.com au niveau des auditeurs, arrive à accéder justement à votre bateau pour vous faire des vidéos, je peux vous assurer que c'est certain, ça sera vraiment du gros montage et ça sera pas de l'amateurisme. Je pense que vous serez pas déçus et ça sera à la hauteur aussi de vos résultats, les gars. Hein. Merci beaucoup à Diffraud et à Atomic Radio. Ouais, et je suis derrière, je le suis. De toute façon, je vais le tanner, je vais lui envoyer un message, ça va être clair comme ça. Voilà, ça va être fait. Les gars, on va être obligés de se quitter, mais je ne vois jamais le temps passer avec vous. Il y a tellement de questions que j'aimerais vous poser, tellement de questions, voilà, des fois qui partent dans tous les sens. Et d'ailleurs, ça a toujours été un très bon souvenir, et ça, je le dis, voilà, sincèrement. Cette première interview qui avait eu lieu, c'était il y a un peu plus de 2 ans et demi. Oui, c'était dans le premier studio d'Elbeuf. On avait passé un moment qui était phénoménal, un moment qui était énorme, dans un studio justement qui nous avait rassemblés. On ne se connaissait pas, on s'était découvert. Et c'est vrai que depuis, voilà, c'était des belles rencontres. J'ai pas été présent durant les deux dernières 24 heures motonautiques. Cette année, j'y étais présent une après-midi, une journée même, quasiment, on va dire, pour ainsi dire. Et l'année prochaine, eh bien, écoutez, moi, je serai à vos côtés durant les 2 jours et demi. Voilà, je serai dans mon coin, je serai discret, je serai là pour vous mettre en avant, faire votre pub, pour aussi annoncer aux auditeurs, aux auditrices à l'antenne ce qui se passera en temps réel. Donc là, ça sera un rendez-vous, on va dire, qu'on peut prévoir longtemps à l'avance, dans le sens où les auditeurs, les auditrices, ou même les gens, je veux dire, qui voudraient être informés en temps réel de ce qui se passe au niveau de la Team Copain Pilote, eh bien moi, je serai là jusqu'à 1h du mat durant la course. Je serai là avec vous. Ce qui serait passé, par exemple, au moment où le bateau, voilà, a eu un petit problème avec toi, Alex, eh bien, l'année prochaine, j'espère pas que ça arrive, ce genre de choses, mais voilà, vous serez informés. Non, c'est bon. Non, je ne sais pas. Vous serez informés en temps réel, voilà, de ce qui se passe. Une prise d'antenne toutes les heures, je pense, voilà, juste 5-10 minutes, ça suffit largement. Ça permet aux auditeurs,
manière voilà de d'être informé des choses en temps réel et voilà si vraiment il y a besoin de prendre l'antenne entre deux en plus parce qu'il se passe quelque chose de formidable, quelque chose de génial ou je ne sais quoi, eh bien on prendra l'antenne aussi. La team copain pilote, on va parler très rapidement de quelques petites dernières choses. Voilà, la team copain pilote a des sponsors. Si vous vous êtes une entreprise, une association, une mairie ou je ne sais quoi et que vous voulez rejoindre la team copain pilote, eh bien sachez que c'est possible. Team copain pilote, attention, c'est pas une bande de rigolos. Je vous rappelle, l'année dernière, seconde leur catégorie aux 24 heures motonautiques, seconde vice-champion du monde de motonautisme d'endurance, et ça c'est pas rien non plus, c'était du côté de la Pologne. Eh bien, si vous voulez être partenaire de la team copain pilote, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Même voilà, si c'est à hauteur de vos finances, à hauteur de ce que vous pouvez apporter, voilà, vous pouvez très bien être une petite société et apporter à hauteur de ce que vous pouvez. Eh bien écoutez, faites-le. C'est toujours de la publicité en plus pour vous, c'est toujours de la reconnaissance pour une team qui se défonce et qui ne vous décevra pas et qui donnera toujours le meilleur de ce qu'elle peut donner et qui aura de la reconnaissance envers leurs partenaires. Donc moi, je vous invite vraiment à aller du côté de la page de la team copain pilote. N'hésitez pas à rentrer en contact avec eux, même si vous ne pensez peut-être pas aller voilà signer quelque chose, mais posez-leur des questions, regardez comment ça se passe, découvrez un peu leur univers et je pense que vous pourrez peut-être éventuellement vous laisser séduire pour quelque chose de sympa à hauteur de ce que vous pouvez. Mais voilà, eux, ça leur fait un bon coup de main, ils en seront reconnaissants. Et puis durant 24 heures quand même, durant les 24 heures motonautiques et durant la course d'endurance, et bien voilà, vous serez visible quand même quelque part un peu partout et ça c'est quand même pas rien. Je peux vous assurer que quand vous êtes partenaire et bien d'une team comme celle-là qui finit vice-champion du monde ou qui finit seconde de sa catégorie, je peux vous dire que quand vous avez votre logo ou votre nom dessus, vous êtes très fiers. Et donc voilà, moi c'était le petit message que je voulais lancer. Puis si vous êtes tout simplement le public, tout simplement, même le public qui voudrait eh bien découvrir la team copain pilote, ou même juste voilà acheter, je sais pas, s'il y avait des t-shirts, je crois, des trucs comme ça qu'on pouvait acheter, je crois, France, c'est ça? Oui, ça on peut mettre ça en place. Oui. Voilà, si vous voulez par exemple un t-shirt, vous voulez des trucs, voilà, photo dédicacée ou quoi que ce soit, eh bien voilà, c'est toujours la petite chose à faire en plus qui permet ben eh bien la team de pouvoir continuer à progresser. 22 heures passées de 7 minutes, on est super à la bourre. Alors moi je vais quand même laisser en premier d'abord la parole à Alex. Alex qui est avec nous depuis toc toc toc, on va regarder ça, depuis 1h11. C'est cool. Ah, Alex, il est génial. Alex, il a l'oreille qui est comme ça. La. C'est pas grave. J'ai toujours vu sur la mer, moi, donc ça va. Ouais, t'as vu sur la mer. Ouais, bon, bah c'est bon, ça t'arrête parce que là, tu deviens désagréable. Alex, on va te laisser, Alex, terminer justement sur ces belles paroles. C'est toi qui va clôturer, on va dire, la première partie de cette interview. En laissant un petit message aux auditeurs, aux auditrices, à ta famille, aux fans, enfin tout le monde, tous ceux qui te suivent. Alors moi, je tiens tout d'abord à vous remercier, vous, Atomic Radio, parce que c'est vrai que vous nous suivez depuis le début et on est super fiers de vous avoir avec nous. C'est vrai que vous avez toujours été là dans les bons moments comme dans les mauvais. Vous avez toujours été à côté de nous, donc ça déjà, je tiens à vous remercier. Je te remercie à toi aussi, Christian, d'être toujours aussi présent. Merci. De nous faire toujours autant de pubs. Je tiens à remercier aussi tous les auditeurs qui nous suivent et tous les gens qui nous suivent sur Facebook, qui n'hésitent pas toujours s'ils ont besoin, ils veulent nous poser des questions, comme tu disais, tout ça, on essaye de répondre le maximum qu'on peut et le plus rapidement possible, donc qu'ils n'hésitent pas, on est toujours connectés sur Facebook. Je remercie aussi énormément nos partenaires, parce que sans eux on pourrait rien faire, donc c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on en est là et qu'on peut vivre notre passion. Donc je les remercie encore de nous suivre, enfin toute la team les remercie de nous suivre et de nous aider à vivre notre passion et notre envie. Et je remercie aussi toute la team. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui écoutent, je pense que oui, mais j'ai remercié énormément la team parce que grâce à eux on vit des moments exceptionnels. Quand on se voit ensemble, on passe des moments exceptionnels. Je remercie aussi Ludo qui est notre président, qui s'occupe énormément de choses en sous-marin, qu'on sait pas, mais qu'il s'occupe de tout l'administratif, c'est un travail monstre, donc je le remercie lui, et puis voilà, je remercie tout le monde. Eh bien, un grand merci pour ta bonne humeur, Alex, tu restes avec nous, tu ne raccroches pas. Franz, à toi, Franz, Radioman. Bah, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Là, Alex a déjà tout dit, merci. C'est bête, hein. Bah, oui, non, mais t'as bien fait, ça me fait moins de travail. Non, sérieusement, merci à tous les partenaires, merci à toute l'équipe, merci à Atomic Radio, tous les différents sponsors et maintenant les fans, tout le monde qui nous suit, sans qui on serait rien du tout. Merci beaucoup à eux. On se retrouve très rapidement, les gars.
très très rapidement. Oui, presque la larme à l'œil quand même quelque part. C'est toujours des bons moments que je passe avec vous durant ces directs. Plein de surprises. La seule chose que je peux vous dire pour les auditeurs, les auditrices et tous ceux qui nous suivent, eh bien n'hésitez pas à suivre l'actu de la team Copain Pilote et aussi par le biais de la page d'Atomic Radio, vous serez informé eh bien de toutes ces belles choses qui vont se passer. Bonne soirée les gars. Encore merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. DJ Adams, dans quelques minutes, attention, restez avec nous. L'After Space Mix qui va déborder d'ailleurs jusqu'à minuit quart à peu près, parce que ce soir on est vraiment super super à la bourre. On va remercier eh bien Cynthia qui nous a rejoint en tout début d'émission à 21h05. N'hésitez pas à aller rejoindre directement sa page et à découvrir eh bien cet album sur mesure qui est une pure tuerie. Eh bien quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La page de la team Copain Pilote, on ne l'oublie pas. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, même planète. La semaine prochaine, il y aura encore des artistes qui nous feront vibrer avec Vincent Delaunay. Bonne soirée les amis, ciao.